Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez cette série sur la saison du fruit. Et je crois que ça commence à se voir dans vos vies. Justement, aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui se voit, qui se manifeste. Quand on parle du fruit, nous discutons aujourd'hui le fruit de la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui commence dans le cœur, mais qui se manifeste à l'extérieur. La bonté est totalement le contraire de l'égocentrisme. On pense plutôt aux autres. On cherche à servir par gentillesse, par altruisme, par générosité, par amabilité, ceux et celles qui nous entourent. Et plus que tout autre fruit de l'esprit, la bonté révèle en fait pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, pourquoi Dieu dit ce qu'il dit. L'Éternel lui-même, il est lent à la colère et riche en bonté. Et c'est pour cela, quand nous marchons dans la bonté, ce monde perdu peut détecter que Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. La bonté est la première évidence, en fait, que nous n'agissons plus seulement pour nous-mêmes, par nos intérêts, ou selon le royaume des ténèbres, mais plutôt nous marchons selon le royaume de la lumière. Éphésiens 5, 8 à 9 dit ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire vous agissiez avec égocentrisme. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Ne soyez pas étonnés si Dieu vous inspire dans les jours à venir à agir d'une manière, je dirais, démesurée de bonté vis-à-vis des autres, parce que cela reflète ce royaume de lumière. L'amour est plein de bonté. L'amour se voit dans les actes de bonté. Et c'est pour cela la bonté est la preuve d'un cœur de Dieu qui cherche toujours le bien, qui cherche toujours à édifier, à répondre aux besoins. Il y a en fait une prière juive qui dit « Dieu qui est bon et qui fait du bien ». Et pour moi, cette prière reflète l'essentiel de ce que c'est la bonté. Ça se voit dans ce que nous faisons. Colossiens 3, 12 dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde et de bonté. » C'est-à-dire que nous pourrons nous revêtir de bonté. Imaginez, vous vous réveillez demain matin et au lit, les yeux s'ouvrent et vous allez vous redresser et vous mettre la robe de chambre. Au même moment, mettez la bonté. Mettez ce vêtement qui reflète le cœur de Dieu. Mettez sur vous cette décision, cette détermination de révéler Dieu par les actes de bonté. Si on veut vraiment voir le fruit de la bonté développée dans nos vies, ce qui se passe ici, entre les oreilles, est très important. Parce que les actes de bonté sont générés par une mentalité de bonté. Et le Saint-Esprit inspire souvent des pensées des autres personnes dans notre entourage. Et là, je parle concrètement. Par exemple, si vous avez terminé la journée, vous arrivez à la maison après une longue journée de boulot, vous vous apprêtez à manger votre pizza, regarder votre film préféré, et tout d'un coup, vous pensez à quelqu'un. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas anodin. Ça, c'est le Saint-Esprit en vous qui suscite la pensée de quelqu'un. Et à ce moment-là, la bonté va s'activer, à condition que vous écoutiez, que vous mettiez à réfléchir et à prier. « Seigneur, pourquoi je pense à cette personne? Est-ce que tu as prévu quelque chose pour cette personne? Veux-tu que j'intercède pour elle? Veux-tu que je la contacte? Veux-tu que je communique quelque chose de ta part? Veux-tu que je fasse quelque chose pour cette personne? » C'est le réflexe d'un cœur qui cultive la bonté d'agir comme ça. Parce que le Saint-Esprit pense à ceux et celles qui ont besoin de quelque chose
et il peut nous utiliser comme les instruments de sa bonté. C'est une occasion excellente de cultiver la bonté, de ne pas penser à nous-mêmes, à nos envies, à nos désirs, à nos conforts, mais de nous revêtir de la bonté et agir avec le Saint-Esprit, en partenariat avec Dieu, pour manifester la bonté dans le cœur de Dieu, à notre entourage. On s'arrête, on se concentre, on pose des bonnes questions et on décide d'agir avec le Saint-Esprit pour manifester la bonté. De deux manières, soit par l'initiative, soit par la réactivité. Et je vais vous laisser réfléchir sur ces deux manières cette semaine. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les indiquer parce que je serai ravie de les lire et de répondre. Autrement, je vous dis à la semaine prochaine.